Voilà, parce que là, ça va vraiment commencer à se voir que j'allais oublier de lancer le local record pour toi, peuple de YouTube. Bien le bonsoir. Et on a rien fait encore. Hein. On est sur les étages bonus de la tour du donjon des disciples. J'étais en pleine prépa de mon perso. Eh, tu vois, comme quoi, hein, pris dans notre discussion, un peu plus et j'allais t'oublier. Mais bon, voilà, j'ai qu'à faire plus attention. Alors, regarde. Pour que tu puisses comprendre un petit peu dans quel délire on est, peuple de YouTube. Nous sommes effectivement sur l'étage, premier étage bonus hein, du donjon des disciples, qui nous demande donc un personnage qui a des attaques bleues, hein, puisqu'on a des résistances rouges, donc il va falloir privilégier un personnage qui a des attaques à distance, d'affinité technique, qui soit un tueur d'arancard et qui soit de catégorie espada. Évidemment, je te le donne en mille, on va pouvoir se régaler avec notre bon vieux Starkouné de la troisième vague guerre sanglante, on va pouvoir littéralement casser du cul. À quand un let's play sur Pokémon Master? A priori, jamais. Dans ces environs-là. Voilà. Un peu comme au couteau Noken, vous voyez. Ça va être du jamais tier aussi. Ça va être du Pokémon Master tier, en termes de délai. Voilà. Dans ces environs. C'est de l'approximatif. Enfin, je peux pas être sûr dans les dates, vous voyez, ni dans la durée, mais environ jamais. Voilà. Si ça peut vous donner un ordre d'idée. Alors, allons-y. Non, j'ai déjà beaucoup trop de gacha en fait, beaucoup trop, et comme je suis dans une volonté de diminuer un petit peu les jeux mobiles pour m'orienter vers du contenu autre, jeux console, jeux PC, je vais pas me lancer dans d'autres gacha. Je vais rester sur mes acquis avec ce que j'ai là déjà en ce moment, sur les comptes où je suis bien avancé, mais s'il y a d'autres gros gacha qui sortent, ne comptez pas sur moi pour m'y mettre. Après tout, ma chaîne, j'ai jamais vraiment voulu la dédier à des gachas. Hein. Même si, par voie de conséquence, ils ont fini par s'installer de même. Par contre, le Stark, il est très classe, hein, une fois en jeu. Même si j'aime pas trop son... Il est extrêmement fort. Il est vraiment extrêmement fort, quoi. C'est impressionnant. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est... Son chara-design au niveau des cheveux et des vêtements, c'est pas... Pelage de loup. Ouais, mais... Il y a un truc qui fait que, je sais pas, il y a un truc que j'aime pas sur ce perso. Ouais, moi, justement, au contraire, le chara-design de Stark, je le trouve tellement putain de cohérent, quoi. Hein, des yeux rouges injectés de sang, tu vois, limite, qui font un peu penser à des lycanthropes. Derrière, les cheveux gris clair qui restent RP par rapport au pelage du loup. En fait, je trouve que tout est super cohérent, en fait, dans le chara-design du perso. Oui, c'est très cohérent, j'ai jamais dit le contraire. Je dis juste qu'au bout d'un moment, l'espèce de veste en Reatsu de taille 12 ans, ouais. Et les bottes de cuir aussi, quoi, c'est pas trop mon délire. Ah, ça va faire un bon truc. Tu referas des streams d'entraide. Alors oui, The Raptor, j'en referai effectivement pour cette session, puisque ça m'avait été demandé lors de la précédente tour, mais malheureusement, c'était sur la fin, et j'avais déjà un programme qui était hyper chargé. Donc là, oui, on va se démerder à refaire des streams d'entraide, effectivement, pour les tours. Sachant que du coup, je pourrais pas intervenir sur la tour Senkaimon classique, hein. Attention, j'ai fait le donjon des disciples. Donc tour Senkaimon classique, je ne pourrais pas intervenir dessus. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Résistance rouge, donc il va encore falloir privilégier un attaquant à distance. Catégorie affinité connaissance. Et qu'il soit un espada. Ok. Un espada connaissance qui attaque à distance. Et ben, oui, j'ai ça. J'ai, tous les jours. Ou Kura. En plus, il est killer Shinigami, donc oui, bah, tous les jours. Je voilà. Affinité connaissance, dégâts x3, catégorie espada. Et ben, ou Kura attaque à distance. Ah oui, oui. Excuse-moi. Donc, aucun problème. Aucun problème. Ouais, non, tellement l'habitude. Tout est ok. Oui, non, mais c'est pas impossible. J'ai déjà fait pas mal de bourdes, des fois en me plantant de personnage. Donc, ouais, parce que je l'ai fait la bourde. Ah, oui. Ouais, forcément, pour ça. T'arrives en game, tu te sens un peu con, quoi. Ouais, t'as une espèce de malaise entre toi et l'ennemi, vous vous regardez, tu te dis, mais... Sérieusement? C'est clair, non mais t'es venu qu'avec ça, là? T'es venu tout seul, là? C'est quoi ton délire, hein? C'est au secours. Alors, du coup... T'as laissé ta pression spirituelle au placard ou je sais pas, tu t'as peut-être pas vu que c'était pas la bonne entrée? Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Y a pas un truc augmentation des dégâts maintenant? Attends, c'est les gars, non, c'est putain, c'est con par contre, il devrait rajouter un truc là-dedans. Attaque puissante dévastatrice, remarque. Si, je devrais l'avoir comme ça. Si je cumule les deux, est-ce qu'il me donne les sous-traits qui correspondent? Non, c'est un gros nick. Donc on va se contenter de mettre ça avec pif paf pouf. Quoique tech, j'aurais pu m'en dispenser, étant donné que je l'ai déjà sélectionné sur le perso, donc on va surtout se contenter de instinct et force. Paf, et paf. On va mettre le petit build ultra classico-classique, et on va y aller comme ça, fait à volonté, let's go. C'est l'étage de Zayel ou d'Ulkura. Ah non, Baragan, c'est des rouges, Kena, c'est des rouges aussi. Oui, Zayel, ce serait évidemment beaucoup plus dans les conditions de cet étage de ses morts.
Ouais, mais Ulti fait le taf. Bien sûr. Okura, c'est, Okura, c'est ce perso que ne négligez jamais les personnages qui ne sont pas sortis cette année. Hein. Ah non, non, bah lui, c'est un peu comme le Ichigo Fullbring. Hein. C'est gameplay d'avance, stat de folie. Des personnages, des, basiques, qui étaient... des personnages qui étaient en précurseur dans leur domaine à l'époque de leur sortie. Ouais, d'ailleurs, j'ai hâte de la résurrection du Ichigo Fullbring. Ça, par contre, ça va mettre du temps, ça, par contre. Ouais, ça va mettre du temps, mais bon, si on y arrive, ça peut être très 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 drôle, très drôle. Excuse-moi. Oh, je ne doute pas qu'on finira par y arriver, mais c'est vrai que ça va prendre un peu de temps, quoi. Heureusement que ça prenne du temps, comme ça on va pouvoir encore plus apprécier, une fois qu'on aura. Un petit Chigo Fulmoy à 800 de spé, je veux bien, moi. On n'est pas contre, hein. Déjà Mugetsu à 800 d'attaque aussi, bientôt là qui arrive. Enfin, il devrait pas tarder lui dans l'album où il est. J'ai eu de la chatte, mais 100% quoi. Parce que là clairement. Sans Pokenju n'allait pas rigoler. Ouais, le sans Pokenju, j'aurais pris sur la gueule, à mon avis, je n'aurais pas eu besoin de le prendre une deuxième fois pour comprendre que j'aurais pas pu me relever. En fait, voilà. Ah ouais, surtout ce qu'il faut pas oublier, effectivement, c'est vrai que je vois Skipshin qui dit que Ichigo Mugetsu, ça résume à casser des culs. Ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est qu'une résurrection, ce n'est pas que des stats, c'est aussi des skills qui sont modifiés ou rajoutés sur les personnages. Donc, partant du principe que Mugetsu a déjà un bombardement sur sa spé, s'il commence à rajouter des trucs débilos, genre un petit fleuri. Alors voyons voir, attention, faiblesse. Donc il nous faut un holo qui soit justement tueur de holo et qui soit d'affinité vitesse. Qu'ai-je donc qui correspond à ces critères? Tueur de Shinigami. Alors affinité vitesse, c'est pour quoi? Ah, c'est pour les dégâts x5. Ah oui, donc c'est quand même pas déconnant. Donc un holo tueur de holo. Voyons voir, de quoi dispose-je? J'ai rien, hélas. Hachi. Oh non, le fameux Hachi. Il va nous falloir bricoler. Alors, l'effet tueur, c'est pour un killer x10. Alors, sachant que je peux taper sur un holo d'affinité vitesse, simplement pour avoir les dégâts x5. Un holo d'affinité vitesse, j'ai. Cependant, l'affinité vitesse multiplie mes dégâts par 5. Qui est loin d'être de la merde, sachant que le boss est d'affinité force, c'est loin d'être de la merde. Je peux tenter un coup de poker. Je vais tenter d'y aller avec Shinji. Ouais, c'est cher cause qu'il le dit. Qu'il avait pris le petit Shinji. J'ai pris Shinji perso, d'accord. Ichigo Lunar passe easy ici. Oui. Pourquoi il est pas dans mes choix, Ichigo Lunar? S'il est dans mes choix, espèce de con, c'est juste moi qui ai pas ouvert les yeux. Ouais. Je l'ai utilisé aussi, mais pour te dire, il est même en blanc encore et. Il passe très simplement. D'accord. Et eh ben écoute, je prends l'info. En attendant, je vais stuffer Shinji. Bien sûr, en plus, on a des très bons items pour lui, donc ça va être parfait. Sachant que Shinji, c'est de la réduction des dégâts subis, il est pas aidé, le pauvre garçon, au départ. Mais putain, où est mon corps céleste? Voilà, il est là. Alors, on va arrêter ce genre de build à l'asbi et on va la jouer un petit peu plus perfection. Orange. Oui, bah, oui. Je suis high-tech aussi. Ça passe aussi. On va lui mettre un petit attaque puissante rapide tout de même, histoire que ce soit pas totalement aux fraises, que je puisse recharger les strong fast. J'ai pas le killer, mais bon, clairement, dégâts x5, ça reste quand même très intéressant. Quoi. Ah, tu mets pas l'appli sur Witchy pour gagner un peu d'attaque puissante? Quoi? La Yoruchi Frenzy? Temps de recharge et d'attaque puissante? Oh, ouais. Oh là, ça lag. Oh, ça lag. Qu'est-ce qui se passe? Wouah! Je ne sais pas. Oh, ça a lagué sa mère! Ah oui, violent! Ouais, je pense que c'est les flaques. Ton jeu n'a pas dû trop aimer. Le temps que les flaques se mettent à jour.
Ok, d'accord, très bien. J'avoue que ça m'a fait bizarre. Oula, putain, ça fait me foutre la gerbe, ça. Dernier pack. Hein? Oh non, j'ai été touché. Ah, oh, j'ai été touché. Donc, je vais arrêter ce build. Je sais comment je vais la jouer. C'était pour faire un test et finalement, je pense que je peux la jouer autrement et de manière plus safe. Ok. Putain, pourquoi ça gogolise comme ça dans les menus? Putain, c'est ouf ça. Ok. Donc, paf. Après, évidemment, ça aurait été avantageux sur l'aspect, mais rappelons que sur l'aspect, je vais pouvoir caler de la confuse. Hop. Et c'est l'URL, ça roule. Après, c'est vrai que les strongs de Shinji, l'exception de la strong 3, nécessitent quand même. Putain de merde. Qu'on joue relativement près. Surtout celle où il se met à marcher au plafond. Elle est très drôle celle-là. Ouais, elle est sympa, ouais. Évidemment, sur l'autocombo, je suis d'un coup beaucoup moins offensif. Bon, je suis à peine 4 secondes plus lent, ça va, c'est acceptable. Ah, je refais la même, hein, vous voyez? Donc, j'ai bien fait d'enlever ce build. Mais non, mais idiot. Ce qui est pratique, c'est de les contraindre à attaquer. De cette manière, ils se blessent eux-mêmes. Ok. Il faut faire attention parce qu'on n'est pas non plus ultra tanky. Ouf, elle prend la max. D'accord. T'es totalement gratuit, quoi. Si cet étage te gonfle déjà, t'es pas prêt pour le 49? Bah, quel moment vous en avez déduit que ça me gonflait? J'ai dit ou fait quelque chose qui laissait entendre que ça allait pas le faire? Non, je sais pas. Vous avez senti une pointe d'agacement dans ma manière d'aborder l'étage? Non, si c'est de la concentration. D'accord. Ah, c'est quoi ces meubles? Ah, c'est rigolo, c'est quoi ces trucs là? Ouf, bonne chance. D'accord. Alors. Ouf, d'accord. Attention, confusion, ralentissement, attaque puissante et SP bloqué. Est-ce que je peux te conseiller un perso? Je sais pas si tu l'as. Je vais lancer l'étage, puis je vais bien voir. Je vais regarder comme ça. Merci, Gunfreaks 69100 pour le follow. Bienvenue. Alors. Pour l'instant, je vais partir avec un perso un peu au pif, c'est-à-dire que par défaut, vu les conditions, j'en déduis qu'il va falloir être ultra rapide. Donc par défaut, je vais prendre un perso qui dispose de foulée, que je serai très certainement amené à modifier ensuite, bien sûr. Mais pour le moment, c'est voilà, c'est le... Je me laisse guider par mon instinct. Voilà. De toute façon, vu les conditions de l'état, je pense que je vais pas me casser le cul à changer de stuff, on va regarder comme ça. Alors, voyons voir. On va regarder comment ça se présente. Je connais pas l'étage, on va découvrir, on va regarder. Ça a l'air d'être l'étage un petit peu... Et comme dit Shirkoz, c'est pas dur, c'est juste chiant. C'est juste très chiant. D'accord. Alors,
Les tours ne prennent pas de dégâts. Ah si. Ok, donc là déjà il faut un perso attaquant distant. Ok. D'accord, il faut un... C'est pas une histoire de vitesse. C'est pas une histoire de vitesse. Très bien. Donc il me faut un attaquant range. On va retenter avec Stark. On va le stuffer bien comme il faut. Ah j'avoue c'est débile. Ah oui, c'est très marrant comme étage. Hein. Ouais, ça a l'air très drôle, soit dit en passant. C'est encore un petit challenge rigolo qu'il va falloir se démerder à passer, mais ouais, ça a l'air sympa. Je disais marrant dans le sens ironique, mais c'est vrai que c'est vrai que ça change en fait. C'est surtout parce qu'on n'a pas l'habitude que c'est un peu... qu'on trouve ça chiant, mais en fait c'est juste que bah faut s'habituer. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais c'est quand tu vas arriver dans la deuxième partie que... ça va être drôle, on va voir si tu vas savoir gérer. Alors attends. Ah d'accord, il y a des statues qui se cassent et d'autres pas. Oh putain, d'accord. Merde. Ah d'accord, puis là ils mettent de la confuse. Ah voilà, voilà, d'accord. Ah bah j'ai déjà perdu là. Non mais là-haut, vise là-haut. Ça débloque quoi ça? Ça débloque mes strong. Ah d'accord. Oh là là, ok. Aïe. Sympathique, n'est-ce pas? Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. Bon, eh ben, je sais comment on va la jouer, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Ça va pas être bien sorcier, on va adopter la stratégie dite du petit sexe. C'est confusion ralentissement, ok. Alors... il faudra un attaquant distant idéalement, donc ce qu'on va faire, ce qu'on va... pas forcément la jouer comme ça. Je vais faire le build. Ouais, ok, j'ai compris comment je peux faire. Il faut que je change de perso cependant. Alors. Déjà, on va commencer par un point simple. Ça va être. Ralentissement, voilà. Et c'est quoi l'autre? C'est confusion. Confusion. Ok. Derrière ça, on va mettre un item de dégâts classique. Ok. Ensuite, modification des caralinks. Dans les caralinks, on va donc cibler. Les lignes donc de résistance à la confusion et au ralentissement. En l'occurrence, je dispose effectivement de quoi m'immuniser totalement au ralentissement. Et pour la confuse, ouais, j'ai de quoi faire aussi, ouais. Ok. Poison ralentissement, très bien. Ouais, j'ai de quoi me garantir une immunité totale, quoi. Très bien. C'est parfait. Et puis, histoire qu'elles soient un petit peu plus incisives. Et qu'elles prennent pas un tour à chaque fois. Voilà. Ok. Je pense qu'avec ça, on est bien. Comme ça, on a 50% de ralentissement ici, 55% là. Immunité totale au ralentissement. On a ici 50% de confusion, 55% ici. Immunité totale à la confusion. On a du dégât supplémentaire. Du petit boost all stat. Et à partir de là, tout va bien. Allez, enfin tout va bien, sur le papier hein, bien sûr, parce qu'après derrière c'est pas ce qui va me garantir évidemment de pouvoir aller ultra fast. J'aurais peut-être dû d'ailleurs opter pour un personnage qui... Putain, voilà, personnage qui a équilibre notamment.
comprends pas par où il faut passer. Je comprends pas par où il faut passer, putain. Par où on doit passer? J'ai pas compris le chemin, là. Cherche bien. La réponse est parfois sous ton nez. Je vais garder ce build mais passer sur Kenny rouge. Non, quoique, non, c'est quand même confort d'avoir un perso. Kenny rouge avec équilibre aurait été fort. Est-ce qu'on a un attaquant distant rouge qui a équilibre? Non. Après tout, non, on n'a pas besoin d'équilibre. En même temps, on a arrêté de jouer comme une merde et puis équilibre, on peut s'en dispenser. Équilibre indispensable. Vas-y comme ça, ça devrait y aller. Ça devrait y aller. Après, il n'y a pas 50 000 chemins. Hein. Je suis passé par en bas, le chemin avait l'air bloqué. Donc, si c'est pas en bas, c'est forcément. Enfin, je suis passé par en haut, je veux dire. Si c'est pas en haut, c'est en bas, quoi. Là. Mais c'est débile, par où faut passer? Oublie pas l'ennemi. J'ai pas compris. Tu veux que je te le dise ou... Ah bah non, non. Non, non, ok. J'ai pas compris. Galère, on a tous vécu ce moment de galère, on s'est tous dit qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai pas compris ce qu'il me demande là. Parce que je vois bien qu'il y a un passage, mais je suis bloqué. La mort du fan de cet étage. Non mais ça doit être tout con, c'est juste qu'il faut chercher quoi. Oui, non mais quand tu trouves pas, t'es à peu près dans le désespoir. Non, pas encore. Non mais oui, mais quand c'est ton... Quand t'as fait pas mal d'essais quoi. Oh, j'en suis qu'au 3ème, 4ème, donc ça va encore. Ah oui, oui. Alors par contre... C'est qu'il y a un mob là. Oh putain, il y a un mob là. Petit bâtard de merde. Ça se trouve là. Il s'est caché, le petit bâtard. Allez, putain, c'est pas vrai. Allez, on avance. Mais c'est débile, comment tu veux faire ça en 25 secondes? Comment tu veux faire ça dans un laps de temps aussi court? Des choux de peau perfecte. Ok. Bah je crois que je vais arrêter les étages bonus en fait. Ota non c'est pas possible. Oh yo. Non c'est quand même pas frame perfect parce que quand je l'ai fait je me suis pris 2-3 vulné, enfin 2-3 ralentissements personnellement. T'as pas un perso plus rapide dans son auto-combo au pire? Si j'ai ça. Parce que c'est plus ça le problème là sur ton perso. J'ai. Ah il vient de rouge pas con.
Enfin là, il n'y a aucun scénario qui existe où je passe par en bas pour passer quoi. Il passe putain. C'est bon. Parfait. Ouais, ben, putain. Un peu galère, hein. Ah, dis donc, elle rigole pas. Ah, ça rigole zéro, leur connerie, là. Ah, dis donc. Ouais. Prochaine étape, ils nous font des vrais puzzles. Putain, vraiment chaud, quoi. Vraiment très très chaud, leurs conditions, quoi. Au moins, il y a de la recherche, hein. Il y a de la recherche. Ouais. Ah oui, de ce côté-là, on peut vraiment pas... Il se réinvente, au moins. Alors... Affinité instinct, dégâts x3, catégorie. Alors, un capitaine instinct. Ok, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai en capitaine instinct? Et qui, tant qu'à faire, serait tueur de séracteurs de bidet. Aronkier ou Espada? J'ai. J'en ai même un qui fait les deux. Eh bah, parfait. Peut-être pas le plus simple à utiliser, mais bon, ça se tente, ça se tente. Ouais, mais il est fun. Absolument pas. Bah si, c'est oh, il est fun. Putain, il est horrible ce perso, il est nul à chier. Ouais. Ah, mais je le trouve drôle à utiliser avec son petit vortex. Bankai. Bien sûr, Marc, lui, il peut rester là. Bankai. Merci beaucoup, Takikuro67 pour le follow. Bienvenue. Kita Kete, le retour. Le fameux. Oh, puis en plus. Pardon. Cette config débile. Double Zangetsu, bien sûr. Bah oui, on va pas se priver. Franchement, quitte à casser le fion des boss pour rester poli, autant y aller correctement, quoi. Écoute. Ah non, mais il est vraiment cool ce Zangetsu. Il fait plaisir. Je fais un test juste le temps de me rendre compte que ça va me saouler et que je vais prendre la Siphon Silver Flame après. Tu vas faciliter le tour. Bon, j'ai jamais compris pourquoi il a pas lancé sa spé, mais ok, si tu veux. À cause du soin. C'est parce qu'il fait une strong de soin. Ah oui, d'accord, donc Zayel me fera pas le même cadeau, quoi. Ouais. Bah, si. Justement. Stalk. Là, voilà la vraie difficulté. Là, voilà le vrai challenge. Le blé du Doran. Il m'a raté. Kitake qui part défoncer les nouveaux Kenfir Iron World. Ah, faut pas le sous-estimer, hein. Easy. C'est un no-hit. C'est un no-hit. C'est un no-hit sub une minute. Bon, bah voilà. Non, ça va. En général, j'aime bien parce que t'as une montée progressive du challenge dans les niveaux bonus. Jusqu'au 49, qui est vraiment à chaque fois des conditions absolument débiles. Et le 50ème, bah, ça redescend. T'as des conditions à la cool avec un perso qui est clairement évident. Mais bon, en soi, après, si j'avais pas réussi, j'aurais pris la Siphon SF et puis ça aurait été pareil, quoi. Ça l'aurait bien fait. Hein. Donc voilà, et ben écoutez, petite demi-heure pour terminer. Pour terminer ces 5 étages bonus. Donc, bah, ma foi, bon petit challenge, rigolo l'étage 4 sur 5, rigolo. Un petit peu de réflexion, mais ça passe YouTube, tu vois, pas de soucis particuliers. En attendant YouTube, j'espère que tu as apprécié la performance. Comme d'habitude, n'hésite pas à commenter justement ce que tu en penses sous le champ commentaire de la VOD. Dans le champ commentaire sous la VOD, pardon. Et on te dit à très bientôt pour la suite qui sera très certainement la Tour des Dangers. Des bisous à toi YouTube, et à très bientôt.